Bonjour à tous, on va revenir pour ne pas changer sur le déterminant, car nous aimons déterminer des choses en mathématiques, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons voir comment on peut utiliser les propriétés fondamentales du déterminant que nous avons démontrées dans la douleur à la vidéo précédente, regardez-la quand même, pour se simplifier les calculs en faisant des opérations sur les colonnes. Donc comment peut-on utiliser ces propriétés pour se simplifier la vie? Quand on doit ou qu'on veut calculer un déterminant. Donc, on va voir qu'on peut faire en fait des opérations sur les colonnes qu'on peut interpréter comme n vecteurs de Kn, ainsi qu'on l'a vu la dernière fois. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois et comment on peut s'en servir? Donc ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que si jamais on échange deux colonnes dans notre matrice, alors le déterminant change de signe. Si j'ai deux colonnes CI et CJ, avec I différent J, hein, sinon il ne va pas se passer grand-chose, alors le déterminant change de signe. Il y a un moins 1 qui sort. Ça, vous vous rappelez, c'est quelque chose qu'on avait démontré la dernière fois dans un lemme préparatoire à une de nos propriétés, et on l'avait remis ensuite dans une proposition, parce que c'est quand même une propriété importante. Donc, par exemple, si j'appelle A la matrice, mettons moins 5, 3, 5, on peut prendre un peu ce qu'on veut, hein. 1, 1, 1. Je ne suis pas d'une imagination débordante aujourd'hui, et 3, 0, 6. Alors par exemple, si on échange la première colonne et la troisième colonne, le déterminant va changer de signe. Autrement dit, le déterminant de la matrice A, c'est moins le déterminant de la matrice 3, 0, 6, 1, 1, 1, moins 5, 3, 5. Ok, cool, jusqu'ici on n'a pas l'impression de s'être tellement simplifié la vie. Passons à une autre propriété qu'on a étudiée. Si on a une colonne qui semble être un multiple d'un certain scalaire alpha, si on a une colonne qui est de la forme CI égale alpha CI tilde, alors, on peut mettre alpha en facteur, et le déterminant de notre matrice de départ, donc C1, patati patata, à un moment il va y avoir CI jusqu'à CN, ça va être alpha fois le déterminant de C1. Ici, du coup, on se retrouve avec CI tilde et CN. Donc, si je reprends la matrice A qui est juste au-dessus, le déterminant de A, on a dit que c'était moins le déterminant de cette matrice-là. Et le déterminant de cette matrice-là, ce qu'on peut observer, c'est que la première colonne, a priori, on peut facilement mettre un 3 en facteur. C'est la colonne 3, 0, 6. Donc on peut écrire ça moins déterminant de 3 fois 1, 3 fois 0, 3 fois 2. Et les autres, elles ne bougent pas. Elles ne sont pas facilement factorisable de toute façon. Et donc là, on voit qu'on va pouvoir mettre le 3 en facteur pour obtenir moins 3 fois le déterminant de 1, 0, 2, 1, 1, 1, moins 5, 3, 5. Pardon, je m'aperçois que dans mon exemple. Non, si c'est bien ça. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc là, on voit qu'on s'est déjà un petit peu plus clairement simplifié la vie, puisque du coup, on a des coefficients plus petits, donc quand on doit calculer toutes sortes de sommes et de produits, c'est toujours plus agréable. Mais maintenant, le vrai coup de grâce, c'est la dernière propriété, qui dit que si on ajoute à une colonne CI lambda fois CJ, donc si je prends
Une colonne CJ, je la multiplie par lambda et je l'ajoute à CI. Encore une fois pour i différent de j, sinon c'est juste une multiplication. Alors le déterminant ne change pas. Pourquoi c'est vrai ça? Eh bien, ça a à voir avec cette troisième propriété qui nous disait que si on a. Donc avec les deux propriétés, en fait, qui nous disent. Les deux dernières propriétés qui nous disaient que le déterminant était linéaire par rapport à chacune des colonnes, et que s'il y a deux colonnes pareilles, le déterminant est nul. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit ça? Bah du coup, le déterminant de notre matrice de départ, non pardon, de la matrice où j'ajoute lambda CJ à CI, donc ici je vais avoir un CI plus lambda CJ, ici c'est un plus, voilà, comme J est différent de I, CJ, voilà, elle apparaît ailleurs. Jusqu'à Cn. En utilisant la linéarité par rapport à la ième colonne, ici, on voit que ça, je vais pouvoir le réécrire comme le déterminant de la matrice de départ. C1, voilà, je tombe sur Ci, plus loin il y a Cj, jusqu'à Cn, plus lambda fois. Oula, il est très laid ce lambda, on va le tuer et en faire un mieux. Boum. Plus lambda fois le déterminant de la matrice. C1, CJ, à nouveau CJ, CN. Or, cette nouvelle matrice-là, lambda fois, enfin ce déterminant-là, il a deux fois la même colonne ici. En ième position, j'ai CJ, en jème position, j'ai CJ. Donc ce déterminant, en fait, il fait 0. On a vu la dernière fois que s'il y avait deux colonnes pareilles, alors le déterminant est nul. Et du coup, le déterminant de la matrice où j'ai ajouté lambda fois CJ à la colonne CI, c'est le même que le déterminant de la matrice originelle avec C1, patati patata, CI, patati patata, CJ jusqu'à CN. Et pourquoi ça nous aide? Eh bien, reprenons notre exemple. On va s'en servir pour faire apparaître des zéros. Donc on avait vu dans les exemples de calcul de l'exercice 79 que plus il y a de zéros et mieux on se porte, parce que plus il y a de zéros et plus. La formule du déterminant qui fait apparaître pas mal de produits va avoir de termes nuls. Et donc, bon, on aura de choses à calculer. Comment on va faire pour faire apparaître des zéros dans cette matrice-là? Ben, on voit que si je soustrais la première colonne à la deuxième, ici, je vais obtenir un zéro en deuxième position sur la première ligne. Et si j'additionne 5 fois la première colonne à la troisième, je vais obtenir un zéro ici en troisième position sur la première ligne. Et ça devrait vous rappeler quelque chose, ça fait un peu penser au pivot de Gauss en fait. Pour le pivot de Gauss, on fait ça aussi, on prend la première colonne, enfin la première ligne, pardon, et on s'en sert pour détruire tous les coefficients qu'il y a en dessous. Là, c'est un peu pareil, on prend un coefficient qui est à gauche, ou n'importe où d'ailleurs, et on s'en sert pour détruire tous ceux qui sont sur la même ligne. Et on va voir en fait que c'est effectivement lié, et qu'en fait, on peut faire la même chose avec les lignes, mais pour le moment. On a dit ça pour les colonnes. Donc le déterminant de A, où A c'est toujours la matrice du tout début là, c'est moins 3 fois le déterminant, je vais le réécrire, de 1, 0, 2, 1, 1, 1, moins 5, 3, 5. Et ça c'est égal à. Donc là ce que je peux faire, c'est je peux faire les opérations C1, C2 pardon, devient C2 moins C1. Et C3, je la transforme en C3 plus 5 fois C1. Et si je fais ça, je ne change pas le déterminant, on a dit. Et il est devenu maintenant, donc la première colonne, elle n'a pas changé. La deuxième, du coup, C2 moins C1. À son premier coefficient, ça va être 0. Ensuite, j'ai 1 moins 0, donc ça ne bouge pas, ça fait 1. Et ici, j'ai 1 moins 1. Et la troisième colonne, du coup. C3 est devenu C3 plus 5 fois C1, donc le moins 5 ici il devient 0, le 3 il change pas, on lui additionne 5 fois 0, et tout au bout là j'ai 5 plus 2 fois 5, donc j'ai 15. Et du coup ce que je vois ici, c'est que sur ma première ligne maintenant il y a un seul coefficient non nul. Et du coup si maintenant j'utilise la formule qui définit le déterminant, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que le déterminant de A, c'est moins 3 fois moins 1 puissance 1 plus 1 fois 1 fois le déterminant de la matrice A1, 1, celle-là, là,
obtenu en enlevant la première ligne et la première colonne. Donc 1 moins 1, 3, 15. Et ensuite, il n'y a plus que des termes nuls. Ensuite, j'aurai moins 1 puissance 1 plus 2 fois 0 fois le déterminant de 1, 2, mais ça, on s'en fiche, parce que puisqu'on multiplie par 0, ici, ce coefficient-là, il n'apparaîtra pas de toute façon. Donc en fait, il ne me reste plus qu'un seul terme dans mon déterminant, et c'est ça qui est vraiment utile avec cette propriété. Et du coup, il ne nous reste plus qu'un déterminant de taille 2 à calculer. Donc ici, j'ai moins 1 puissance 1 plus 1, ça fait 1. Et ici, le déterminant, ça me donne 15 moins moins 3, donc 15 plus 3, donc 18. Donc mon déterminant, c'est moins 3 fois 18, ce qui nous fait moins 54. Et vous voyez que pour peu qu'on se rappelle un peu de ces tables de multiplication à la fin, c'était en fait plus simple qu'avec la formule de développement. Et ça va être notamment le cas pour des matrices de taille 4 ou des choses comme ça. Parce qu'encore pour les matrices de taille 3, on a vu qu'il existait une formule, même si elle est un peu pénible. Pour les matrices de taille 4, par contre, on a vu qu'on n'en avait pas et que ça pouvait rapidement devenir très lourd à calculer. C'est dans l'exercice 79. Et du coup, une question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut toujours faire ça? Est-ce que ça nous aide toujours? Et du coup, je vous propose qu'on reprenne les exemples de l'exercice 79. Donc, pas la première qui est une matrice de 2, mais les trois dernières. Et on va essayer de les traiter par cette nouvelle méthode. Donc, reprenons. L'exercice 79, encore une fois. Encore une fois, on va pas recommencer le déterminant de la matrice de taille 2. Si on prend par contre la seconde matrice, la matrice de taille 4, de taille 3, pardon, et qu'on essaie de la traiter cette fois avec des opérations sur les colonnes. Donc la première colonne, c'est 1, 1, 2. La deuxième colonne, c'est 0, 3, 1. Et la troisième colonne, c'est 4, 2, 0. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se simplifier la vie? On voit que sur la première ligne, on a un 1, ce qui est plutôt cool, puis un 0, donc ça c'est bien, on veut le garder, et là un 4. Et on va utiliser les opérations sur les lignes et les colonnes pour se débarrasser du 4. On va faire la troisième colonne C3, elle devient C3 moins 4 fois C1. Et ça ne change pas le déterminant. On obtient donc que le déterminant de cette matrice, il est égal au déterminant de la nouvelle matrice 1, 1, 2, 0, 3, 1. Et donc si on soustrait 4 fois la première colonne à la troisième, donc le premier coefficient ici, ça devient 0. Ensuite, on a 2 moins 4, ça nous fait moins 2. Et ici, on a 0 moins 4 fois 2, donc on a moins 8. Et maintenant, la troisième colonne, on voit que c'est un multiple de moins 2. Ici, on a 0 fois moins 2, 1 fois moins 2 et 4 fois moins 2. Donc si on met ce moins 2 en facteur, ça c'est en remarquant que C3 est égal à moins 2 fois la colonne 0, 1, 4. Donc le déterminant qu'on cherche, on peut l'écrire moins 2 fois le déterminant de la matrice 1, 0, 0, 1, 3, 1 et 2, 1, 4. Et là, du coup, en utilisant la définition, donc en développant par rapport à la première ligne, on obtient moins 2 fois moins 1 puissance 1 plus 1 fois le premier coefficient sur la première ligne, donc 1, fois le déterminant de la matrice qu'on obtient ici en supprimant la première ligne et la première colonne dans notre matrice, ce qui nous donne le déterminant de la matrice 3, 1, 1, 4. Autrement dit, au total, on se retrouve avec moins 2
fois, donc moins 1 puissance 1 plus 1, ça fait 1. Déterminant de 3, 1, 1, 4, ça fait 3 fois 4, 12, moins 1, donc 11, et on se retrouve donc avec moins 22. Ce qui est bien le résultat qu'on avait obtenu précédemment. Donc là, vous n'êtes peut-être pas impressionné, mais d'un côté, cette matrice-là était déjà sympa au départ. Voyons maintenant ce qui se passe avec une autre matrice. Donc par exemple, calculons le déterminant de la matrice 2 moins 2, 4. 1 moins 2, 1. Et 3 moins 2, 5. Qu'est-ce que ça donne ça? Ben, ce qu'on peut voir, c'est que la première colonne, on peut mettre un 2 en facteur. On n'est pas obligé, hein, c'est une façon de faire, mais on peut mettre un 2 en facteur. La première colonne, elle est égale à 2 fois la colonne 1 moins 1, 2. Et donc en observant cela, on voit que le déterminant qu'on veut calculer, on peut le réécrire comme 2 fois le déterminant de la matrice 1 moins 1, 2, 1 moins 2, 1, 3 moins 2, 5. Il n'y a toujours pas beaucoup de zéros là-dedans. Comment en faire apparaître? Bah du coup, on va faire le même espèce de pivot de Gauss latéral qu'on avait fait précédemment. On va soustraire la première colonne à la deuxième. Donc C2, ça va devenir C2 moins C1. Et on va supprimer le 3 qui est tout au bout de la première ligne en remplaçant C3 par C3 moins 3C1. Si on fait ça, on voit que le déterminant qu'on cherche, c'est 2 fois le déterminant de la matrice. Donc la première colonne, elle n'a pas bougé. La deuxième colonne, du coup, nous donne, on soustrait la première, 0. Moins 2 moins moins 1, donc moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et 1 moins 2, ça fait à nouveau moins 1. Et la troisième colonne, donc on soustrait 3 fois la première. Donc on a 3 moins 3 fois 1, 0. Moins 2 moins 3 fois moins 1, donc plus 3, ce qui fait 1. Et 5 moins 3 fois 2, donc 5 moins 6, donc pardon, moins 1. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à développer suivant la définition. On a à nouveau moins 1 puissance 1 plus 1, ça on est obligé de l'écrire à chaque fois, au bout d'un moment c'est toujours pareil, fois le premier coefficient sur la première ligne, 1 fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne. Donc la sous-matrice ici, moins 1, moins 1, 1, moins 1. Autrement dit, on a 2 fois le déterminant de cette matrice-là, puisque tous les autres trucs font 1, c'est-à-dire moins 1 par moins 1 qui fait 1, moins moins 1 par 1, donc plus 1, donc 2, donc ça nous fait du 2 fois 2, autrement dit 4, comme on avait déjà trouvé. Et donc vous voyez que pour une matrice qui n'a pas beaucoup de zéros à la base, ça nous simplifie quand même pas mal la vie. Bon, peut-être vous n'êtes toujours pas impressionné. Passons maintenant, du coup, à la matrice de taille 4 atroce qu'on avait passé une demi-heure à faire la dernière fois. Pour les courageux qui avaient regardé cette partie de la vidéo. Donc le dernier exemple, c'était la matrice de taille 4, moins 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, ce serait beaucoup plus drôle de le chanter. 1, 1, 1, moins 1, 1. 1, 1, 1, moins 1. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on observe, c'est que si j'ajoute la première colonne à toutes les autres, ça va me faire apparaître plein de zéros. Ça va être la fête des zéros et donc ça va aller beaucoup mieux. Donc concrètement, on va remplacer C2 par C2 plus C1. C3, on va lui ajouter C1 aussi. Et C4, on va lui ajouter C1 aussi, de façon à obtenir 1 moins 1 pardon, en haut à gauche et que des zéros ensuite sur la première ligne.
Donc ça nous dit que le déterminant qu'on veut calculer, il est égal à celui de la matrice moins 1, 1, 1. Là, du coup, en additionnant, on se retrouve avec du 0, 0, 2, 2. En additionnant la troisième colonne à la première, on obtient 0, 2, 0, 2. Et en additionnant la première colonne à la quatrième, on obtient 0, 2, 2, 0. Et là, ce que je vois, c'est que les trois dernières colonnes, maintenant, ce sont des multiples de 2. Donc je vais pouvoir mettre un 2 en facteur ici, ce qui va me faire sortir un 2 de la deuxième colonne. Je vais pouvoir mettre un 2 en facteur ici, ce qui va me faire sortir un 2 de la troisième colonne, et 2 en facteur dans la quatrième. Donc au total, je vais sortir 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8. Et il va me rester le déterminant de la matrice. Moins 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Et maintenant, j'utilise la définition du déterminant. Donc, j'ai toujours 8 fois le déterminant, pardon, fois moins 1 puissance 1 plus 1, fois le premier coefficient sur la première ligne, fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne. Le déterminant de la matrice 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Très bien, donc ça nous fait au total moins 8 fois le déterminant de cette matrice-là. Et donc vous voyez qu'au lieu de calculer 4 déterminants de taille 3, j'en ai plus qu'un seul à calculer, et en plus il n'est pas trop méchant, puisque je peux recommencer mes opérations pour faire apparaître encore plus de zéros qu'il n'y en a déjà. Par exemple, je peux soustraire la deuxième colonne à la troisième. Donc si je fais C3, la troisième colonne de cette nouvelle matrice, que je la transforme en C3 moins C2, j'obtiens moins 8 fois le déterminant de donc 0, 1, 1, 1, 0, 1. Et si je soustrais du coup la deuxième colonne à la troisième, j'obtiens 0, 1 moins 1. D'accord? Et donc ça nous fait du moins 8 fois, et maintenant je développe encore mon déterminant en disant la définition, fois moins 1 puissance 1 plus 1, ah, fois 0, donc on s'en fiche, fois le déterminant de la matrice de taille 2, 0, 1, 1 moins 1, mais encore une fois on s'en fiche un peu puisqu'on a un 0. Plus moins 1 puissance 1 plus 2 fois le déterminant de la matrice que j'obtiens en supprimant la première ligne et la deuxième colonne. Donc ça me donne la matrice de taille 2, 1, 1, 1 moins 1. Plus moins 1 puissance 1 plus 3 fois 0 fois le déterminant de la matrice qui reste si on supprime la première ligne et la troisième colonne. Donc ça nous fait 1, 0, 1, 1. Mais encore une fois, comme on a un 0 en facteur de tout ça, ça disparaît. Donc vous voyez, quand vous avez que des coefficients nuls sauf 1 sur la première ligne, vous pouvez vous ramener directement un déterminant de taille plus petite, et un seul, pas genre 4 ou 3. Donc ce qui nous reste ici, c'est moins 8 fois
moins 1 puissance 1 plus 2 qui fait 3, donc 1 plus 2 ça fait 3, et moins 1 puissance 3 ça fait moins 1, donc au total 8 fois le déterminant de la matrice 1, 1, 1, moins 1. Or ça c'est moins 1 moins 1 fois 1, autrement dit moins 2, donc moins 8 fois, 8 fois moins 2, donc moins 16. Donc là, on a beaucoup détaillé, mais au bout d'un moment, en les utilisant, ce genre d'opération devient un peu une seconde nature et vous verrez que ça permet vraiment de se simplifier la vie. Donc comme vous voyez ici déjà, au lieu à chaque étape d'avoir 4 déterminants de taille 3 puis 3 déterminants de taille 2 à chaque fois, on se retrouve à avoir un déterminant de taille 3 qu'on ramène lui-même à un seul déterminant de taille 2 en mettant en facteur à chaque fois les coefficients qui nous arrangent. Et en fait, on verra que ici, on a fait des opérations sur les colonnes, mais en fait, ça a aussi marché avec les opérations sur les lignes. Et on va voir aussi qu'on peut développer, en fait, non pas par rapport seulement à la première ligne, mais par rapport à n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne. Donc ça va être la suite des événements. Et du coup, on a quand même pas mal de liberté, pas mal d'opérations qu'on peut faire pour calculer des déterminants. Mais c'est une autre histoire qui sera racontée une autre fois. Merci de votre attention.